Objectif 1000 emplois dans la restauration, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. La région a présenté aujourd'hui son nouveau dispositif d'aide pour accompagner les secteurs qui sont en manque cruel de main-d'œuvre. Un plan de retour au travail. 150 000 emplois sont vacants actuellement dans la région. Laurent Wauquiez met 100 millions d'euros sur la table. Écoutez-le. L'idée d'abord, c'est d'identifier tous ces emplois qui sont non pourvus. On n'y pense pas, mais par exemple, le secteur de l'aide à la personne recrute. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire des opérations de promotion en allant sur les réseaux sociaux, en faisant des salons de l'emploi directement dédiés à ces métiers en tension. Et puis le troisième niveau, c'est de former. Et là, moi, je crois au droit de voir. Toute personne qui veut s'engager en formation sur un domaine où on sait qu'à l'arrivée, il y a de l'emploi, elle nous trouvera présent. Personne ne se verra en Auvergne-Rhône-Alpes refuser une formation sur un métier en tension. La contrepartie, c'est que s'il y a des gens qui viennent juste là pour recharger les droits assurance chômage et ensuite se remettre au chômage, nous on gardera les listes et on arrêtera de financer.